personne ne va jamais. Le car régie de France Télévisions. Et en général, il y a 18 caméras, avec les 8 ralentis, avec le retour antenne, avec l'écoute de l'antenne, avec les statistiques derrière qui sont IBM. Et tout ça m'arrive, et je sélectionne le produit qui va être chez vous. On doit tous travailler ensemble à la seconde près, et je dois faire en sorte d'utiliser le meilleur axe possible. Voilà. Sur l'ensemble des cours, avec les ensembles de télé, je crois que c'est 700 techniciens en tout. Opérateurs ralentis, il y en a 3 ici, et il y en a un derrière. Celui qui fait la super loupe est derrière. Le direct, on le subit, donc il ne faut pas le transformer. Donc, l'erreur est fatale. Si on, au cinéma, on peut refaire une prise. Le match, on l'a loupé. Sur cette barre de mélange, il y a toutes les, voilà, les caméras 1, caméra 2, bon, jusqu'à 18. Effectivement, le rôle de l'assistant, c'est de prévenir s'il y a un souci, c'est quelque chose que je ne vois pas en dehors du cadre. Tu vois, essayer de faire ressortir ce qui se passe sur le cours. C'est sa 15e erreur, donc je vais la passer à l'antenne. Hop. Donc quand je vois des bonnes stats, je dis au réalisateur, et s'il est content, il me la passe à l'antenne. Voilà. Oh, allô. Et après, autre champ. C'est R2. Autre champ. Calais, R2, Calais. Au revoir, R2. R2. Mais c'est... Alors quelle est la chose la plus dingue justement que tu aies vue sur tes écrans? Ferrari a gagné, qu'il y avait quelqu'un qui était rentré sur le central. J'ai tout fait pour ne pas le montrer. D'accord. C'est quand même pas évident avec des caméras, dans un cours qui est assez petit. Et j'ai fait en sorte de ne pas le montrer à l'antenne. Après, qu'est-ce qu'on doit montrer ou pas montrer? Ça, c'est un vrai challenge, effectivement. Le fait d'être à Roland-Garros et de pouvoir être le réalisateur référence de Roland-Garros, c'était un rêve.